Oh, je viens d'avoir un rêve là. Nous sommes donc le lundi 5 février au matin. Et m'est venue une révélation encore que je faisais mécanicien solidaire, mécano. Pour les gens qui bossent pour le SMIG, qui n'ont pas de thunes pour le racket des bagnoles de cet état corrompu. Alors j'ai demandé l'autorisation à Fevert. Demain il vient Claire de l'UDAF. Comme ça, j'ai téléphoné à Sophie, enfin, au XAPA, je sais pas, il s'est passé un truc, un réveil interne, ça avait commencé le 18. Je faisais mes canaux solidaires, à Automan, j'ai 35% de remise, pour les pièces, des bagnoles, tu vois. Je sais pas, demander à Prevert. Tel ou tel jour, savoir les heures que j'ai droit à faire. J'ai quand même envie de travailler, tu vois. Mais pas pour cotiser pour un état corrompu, c'est pas possible. Tu vois. Pour des gens qui n'ont pas de thunes, à la limite, ils payent un peu de ma dette à l'épicerie, tu vois. Ils prennent un tabac, tu vois, je sais pas. Un truc comme ça. C'est comme un genre de black légal, voilà, faire du black légal. Oui, je suis alcoolique, oui, je me drogue, oui, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais ouais, être sous que con, ça dure moins longtemps. Ouais, ils me payent même en bière ou en pinard s'ils veulent, j'en sais rien moi. Mais je veux faire quelque chose de bien. Ouais, un genre de black légal. Tu sais, j'étais de la 89-10 à l'armée. Et j'avais ma solde de l'armée normale, le chèque. Mais j'avais pareil autant au black. T'aurais vu les enveloppes de black qui sont montées jusqu'en haut du plafond. Le 27 du mois, s'il te plaît, ils sont payés. Ça m'a traumatisé tout ça. Là. Tu vois. Le fion de garantie qui me réclamait 76 000 euros, les PV, les machins. Mais c'est bon, maintenant je suis insolvable et j'y reste. Pas besoin d'être riche. Je veux être bon, juste et honnête. Voilà. Le retour de la farce dans la force. Justement ça. Ben là, je joue en trilogie. Je filme un film, qui filme un film, que je filme le film. Ma trilogie de quintessence. Bon, voilà. Elle continue. Il y a votre alternative, puis elle triphasée. D'accord, d'abord. Troisième lecture. Nous sommes donc le 5 février et il est 8h18. Ça veut dire je suis Christophe, et le grand-père doué de 96 ans, il a dit, ah t'es un Christ, bah porte ta croix. Ça y est, j'ai compris. Tu vois le truc ?